A colorful lunar eclipse presented by Science at NASA. On Wednesday morning, October 8th, not long before sunrise, the bright full moon over North America will turn a lovely shade of celestial red. It's a lunar eclipse, visible from all parts of the USA.
It promises to be a stunning sight, even from the most light-polluted cities, says NASA's longtime eclipse expert, Fred Espenak. I encourage everyone, especially families with curious children, to go out and enjoy the event. From the east coast of North America, totality begins at 6:25 a.m. Eastern. The moon will be hanging low over the western horizon, probably swollen by the famous moon illusion into a seemingly giant red orb, briefly visible before daybreak. West Coast observers are even better positioned. The moon will be high in the sky as totality slowly plays out between 3:25 a.m. and 4:24 a.m. Pacific. During a lunar eclipse, the moon passes deep inside the shadow of our planet, a location that bathes the face of the moon in a coppery light. A quick trip to the moon explains the color. Imagine yourself standing on a dusty lunar plain looking up at the sky. Overhead hangs Earth, night side down, completely hiding the sun behind it. The eclipse is underway. You might expect Earth seen in this way to be utterly dark, but it's not. The rim of the planet is on fire. As you scan your eye around Earth's circumference, you're seeing every sunrise and every sunset in the world, all of them, all at once. This incredible light beams into the heart of Earth's shadow, filling it with a coppery glow and transforming the moon into a great red orb. However, red is not the only color. Many observers of lunar eclipses also report seeing a band of turquoise. The source of the turquoise is ozone. Atmospheric scientist Richard Keene of the University of Colorado explains. During a lunar eclipse, most of the light illuminating the moon passes through the stratosphere, where it is reddened by scattering. However, light passing through the upper stratosphere penetrates the ozone layer, which absorbs red light and actually makes the passing light ray bluer. This can be seen, he says, as a soft blue fringe around the red core of Earth's shadow. To catch the turquoise on October 8th, he advises, look during the first and last minutes of totality. The turquoise rim is best seen in binoculars or a small telescope. The depth and hue of lunar eclipse colors depend a lot on the dustiness of the stratosphere. When volcanoes erupt and choke the stratosphere with aerosols, lunar eclipses can turn such a deep red that the moon looks almost black. That's not the case this time, however. Despite some recent eruptions that look spectacular from the ground, there have been no large injections of volcanic gases into the stratosphere, says Keene. In the absence of volcanic effects, I expect a rather normal reddish-orange lunar eclipse, similar in appearance to last April's eclipse. In other words, this is going to be good. Espenak notes that the total lunar eclipse of October 8th is the second of four consecutive total lunar eclipses. Such a set of total eclipses is known as a tetrad. The next eclipse in the tetrad is 6 months from now, in April 2015. Don't wait, he urges. Mark your calendar for October 8th. Wake up early and enjoy the show. For more on this tetrad of lunar eclipses and other wonders in the night sky, stay tuned to science.nasa.gov. Welcome back, everyone. Ever hear of doomsday preppers or survivalists? They are the ones who are getting ready for nuclear war, pandemics, or international economic disaster. And the world's largest underground doomsday shelter is being built right now, just 2.5 hours from Des Moines in Kansas. Patrick Bell takes you there, new at 10. 3, 2, 1, fire. Kind of like an underground fortress. Will withstand a 20 megaton blast from 5 miles away. It'll withstand nuclear, biological, chemical fallout. It's the end of the world as we know it. The blast doors alone are 2 foot thick steel, hardened steel, and concrete. They can withstand just about anything. You would have to be the U.S. military to break into here. And I don't think they want to break in. You know why? They just sold it to us.
If you want to survive the apocalypse, where you're safe, you're protected from all the natural events and all the man-made events, be it a pandemic or be it anarchy or whatever. Then this... It's as big as the Empire State Building. It's just horizontal. It's where you want to be. 2.25 million square feet, all right? With 12-foot ceilings, some areas a little less. Underneath, 135 feet of limestone and shale and different rocks all the way to the surface. Buried deep inside of a mountain in Atchison, Kansas. This is the answer to my dreams. This shelter is the world's largest subterranean citadel. How far are we in now? Well, we're on one edge, but we've come from the other side, so we've traveled about 3/4 of a mile. Robert Vecino is the founder and chief executive officer of Vivos, a corporation specializing in building extravagant and expensive shelters for clients worldwide. It's all about, you know, security, safety, survivability, but comfort as well. But his latest project is the biggest yet. He and hundreds of workers are transforming an underground U.S. Army storage depot into a state-of-the-art secure sanctuary. We're going to put 1,500 RVs, 5,000 people in here, and we still got space to probably put another 1,500. Customers will pay $1,000 and $3 a month for each linear foot of their recreational vehicle. That and the cost of food and supplies will run a family of six around $30,000. It's the one piece of real estate you'll own that you'll never, hopefully never have to use. But if you do, it's priceless. But there's more, lots more. Here's the golf course, paintball, archery, rifle range, gym, the kennel for cats and dogs, sports courts like basketball, tennis. Plus theaters, hydroponic areas to grow food, and an on-site medical center with doctors, nurses, surgeons, even dentists. What we've done uniquely here is this is not just a shelter. It's a year-round resort. Which means you and your RV can come and go as you wish. You can even camp out on the mountaintop. But just beneath the adventurous facade lies a very serious purpose. When the whatchamacallit hits the fan, and people that are sitting on the fence right now say, geez, you know, what was the name of that company again, Vivos? And, oh, you know, we need to get a shelter. We got to move fast. We got 3 days. You're not going to find a shelter. It's too late. Thank you.
Thank you.
parce que c'est tout à fait secret. À l'époque, il y avait un petit peu de la gueule que ça a pris la Russie en 1964. Thank you.
pour dominar la gravité avec la terre, pour le recouvrir de l'état. Et là où se dessine, se sent abondé en tout. Donc, vous allez tout mettre sur le bout du palais, que nous sommes dans le corps, pour tout mettre sur le bout. Et ce qui va arriver l'année prochaine, c'est le bout de la main de Boubou. Ça va être de l'étranglement au Messie en Afrique. Et comment on a tout mis dans le bout de la main de Boubou? Pour la terre,
ces bâtiments qui ont été laissés par quelque part, c'est ce qu'on dit, la justice peut être importante. Le ciel s'est éteint comme un livre qu'on roule, à cause de ce que nous connaissons, et le roi qui ne peut pas vous prendre la bonne chose. Donc, les montagnes, les villes, les villes de leur place, à peu près, ne peut pas être un peu sur le point de la psychiatrie. Les rois de la terre, les rois, les gens qui viennent, par contre, la bonne chose, la bonne chose, la bonne chose, la bonne chose, vous les esclaves, ils sont libres, parce que par opposition, ce que la personne s'est cachée dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Parce que vous battez bien sur la montagne, sur la montagne, la montagne. Ils disent aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous. Parce que vous battez bien sur la montagne, la montagne, la montagne, la montagne. Parce que vous la face de celui qui est assis sur les trônes. Vous battez bien sur la montagne, la montagne, la montagne, la montagne. Car le grand jour, les cinq bonnets est venu. Ça dit qu'on peut vous donner la montagne, la montagne. Les gens s'attendant à des grands événements parce que c'est un homme qui est en la colère de Dieu, le jugement qui va tomber, dans l'ensemble de ceux qui sont votés. Voilà maintenant qu'ils vont aller se cacher dans les cavernes, autant qu'ils ne peuvent pas se cacher. Ils vont aller construire sous des rues, sous des plus hautes, à côté de ceux qui sont en pour montrer que les jours où on a potentiel de votre volonté, il y aura un problème. Nous allons descendre dans les cavernes, dans les rochers, dans le monde, dans toute la partie de la montagne. Et déjà maintenant, ceux qui sont riches, ceux qui ont beaucoup d'argent, sont en train de construire en bas, dans la montagne, pour aller se cacher là-bas. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus important. On a fait ça en Israël. Ils ont construit même des privés d'en bas, parce que là, tout à l'heure, ils ont fait des choses. Je ne sais pas comment ils ont fait ces choses. Ils ont caché des dents. Ils ont envoyé des bombes, ça ne les attire pas. Et en bas, ils ont trouvé à eux attaquer les enfants d'Israël. Donc ça va devenir une tactique. Ceux qui sont, ceux qui ont beaucoup d'argent, voilà ces choses qui sont en train d'arriver. La lune qui devient du sang, les hommes qui construisent sur les cadavres, pour aller se protéger. Si quelqu'un n'a pas de ciel pour voir la chose en train de s'accomplir, et pendant ce temps, Israël est en train de se préparer pour recevoir le Messie. Beaucoup de Juifs sont en train d'équiper pour aller en Israël. Et quand ce prophète a montré, quand ce signe-là arrive, quand ces choses sont en train d'arriver, c'est que Dieu est en train de délivrer son peuple. Quand cela est arrivé en Égypte, c'était Dieu qui appelait Israël pour le ramener dans son pays. Les ténèbres se sont les Égyptiens, mais la lumière là où se trouvaient les enfants d'Israël. Hein? Les Égyptiens pouvaient dire meilleur les ténèbres ici. Et vous pouvez regarder, vous ne comprenez pas pourquoi ceci était là. Et une fois cela arrivé, où se trouvaient les Juifs, ils pouvaient voir que sur les Juifs. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Jésus mourait, Jésus mourait, des ténèbres sur la terre. Les gens pouvaient regarder, ne comprenaient pas pourquoi cette lune devenait du sang. Je voyais des ténèbres. Mais c'était quoi? C'était Dieu qui a achevé son plan. C'était en train de glorifier son fils et Jésus-Christ. Pour maintenant que l'évangile aille. Et quand nous voyons ces choses arriver maintenant, quand nous voyons ces bouleversements arriver maintenant, nous devons comprendre que
Je vous souhaite le moins.
dislocation du monde. La dislocation de tous les systèmes. Donc les prophètes l'ont dit, tous les systèmes sont en train maintenant de se fondre. Le terrain national, la moralité du monde, maintenant, parce que si vous êtes mon protecteur,
Oh, Joe!
grâce d'avoir reçu le passage. Et puis on reçu Jésus à
Et libre-moi, mensonge,
Thank you.
Thank you.
Thank you.